nous dira quand on peut démarrer, ok? Voilà, juste le temps de synchroniser l'audio. Vas-y, prends ton temps. L'affaire de 20 secondes. Et ça, cette manette, elle sert à quoi? La chauffe carbu. 3, 2, 1, top audio. Voilà. C'est parti. C'est bon pour moi si tu peux démarrer. Lancer les autres tout à l'heure. Enfin, alors. Dans une minute. On va les clés quand même, ça serait mieux. Ouais. La batterie, ce serait mieux. La pression a décollé. Bon. 1260 ? 960. D'accord. Il faut trouver, voilà, dans ce sens-là. Ok. Voilà. Ça fait 2005. Il reste une caméra installée. Ok, on va prendre ton temps. Alors CEMV, commande, ok, contact, cabine. Essence, on a 3h30, on est sur l'avant, on a la pompe, et sa charge, un moteur, pression, température, c'est bon, avec les volets 10. On fera un virage par la gauche et c'est à 3006, ok, okay. La finale est dégagée. On va le décoller ensemble, hein. Avec le pain Fox Romeo Juliette 11, ligne 16. Il décolle. Donc là on a du vent dans le cul mais très peu, tu vois, il y a 5 nœuds, mettons 10 nœuds. Donc 10 nœuds, ça veut dire qu'il va me falloir 100 mètres de plus pour décoller. Ouais. Bon, là la piste fait 1000 mètres, donc on est tranquille. D'ailleurs, il faut 250 mètres pour être en l'air. T'es pénalisé de 10 mètres par nœud devant. Pareil, si t'avais le vent de face, ben là tu vas... S'il y a 20 nœuds, ben il te faudra 200 mètres de moins pour décoller. Voilà, réchauffe carbu. Voilà,
Ok. On a 3006. Vas-y, réduire vers 2000 tours. On a un écran de volée, impeccable. On va rester bien à droite pour passer de l'autre côté du village. Sinon on se retrouve près de la piste et on réduit bien à 2000. Ok, c'est bon. Allez, Romeo Juliette en rentre arrière 16 à 5 de pain. Et on revient le relief, là, regarde vers le... Ah ouais, ouais. Voilà. On passe bien à droite pour éviter bien le... les nuisances sonores. Mais t'as vu, c'est des sons de piste qui sont près du relief, là. Pour le monsieur qui est derrière, là, je parle. C'est clair, c'est génial. Et on a été aussi près du sol. Alors, on fera une remise de gaz. Ah, tu vois, si je zoome un peu, là, t'as bien la vallée, là, regarde. Alors, on le voit bien, ouais. Alors, on passe le village, on s'est annoncé, on remet la pompe, on met la réchauffe carbu, on met un cran de volée. Alors là, dès qu'on va passer la crête, là, on tourne à droite pour aller, pour s'élargir bien, qu'on puisse faire une petite base. Le terrain, il est toujours là. D'accord. Et puis, dès qu'on aura passé ça, on se mettra en descente. Vas-y, reste bien sur la droite, là. Et ça, il verra lui s'il n'y a pas des marmottes, là. Rappelle qu'une fois, j'avais montré les truites en allant à... Je me dis, si un jour, je vois des truites là, je... Et vu la fourmi qui se faisait chaud au soleil, là. Voilà, là, on va aller à droite. Voilà. Et on réduit. Et bien, on file. 1700 tours. Voilà, 1700 tours, à peu près. La piste, c'est pas à peine de chercher, elle est toujours derrière. Elle n'a pas bougé. Donc là, tu te mets en descente, et tu peux faire un virage, tranquillou. Ah, c'est de l'autre côté que ça va être maintenant, Pascal. Ouais, bien qu'il n'est pas trop fort. Ouais, mais t'as pas un rebouge qui est en bas. Allez, on met tous les volets. On va chercher 120 km/h. Voilà, impeccable. On est un petit peu rapide, mais là on s'en fout, hein, ce sont pas imposés. On va même garder de la vitesse exprès, voilà. On vise le 16, comme si on roulait, voilà. Comme à la parade. Allez, remise de gaz, on va se laisser encore faire une remise de gaz. Assiette de puissance, et je te rentre un cran de volée. Ok, impeccable. On va tout droit, et on dégagera à droite. Le réchauffe est rentré, la pompe est coupée, et je rentre le deuxième cran de volée. Ok. Voilà, les volets sont rentrés. Voilà, mets-toi vers 2500 tours. Vas-y, vas-y. Voilà. Et là on va avoir la feuille dans la tranche sous le vol. On va monter vers 5000 pieds comme ça on sera tranquille. Ah merde j'ai pas filmé. Ah qui con. Bah tant pis. Le boulet. Il est un tout petit peu à gauche. Il est un tout petit peu à gauche. Un petit peu, voilà. Ok, c'est bon. Alors là, reste bien à droite. Voilà. Ou à gauche, mais des côtés, pas au milieu. Tu peux aller tout droit là, voilà.
Ah, tu peux monter, tu peux aller jusqu'à 130 km/h pour la montée. Ok. 130, 140, voilà. C'est vrai quand même. Il y aura la citadelle d'Embrun sur la gauche là. Très très sensible, tu vois. Ville d'Embrun à gauche. Non, là c'est la ville d'Embrun. Embrun. On voit la station des Ors là-bas. On la reste bien à droite. Ah ben remarque, non, mets-toi un petit peu au milieu du lac. Comme ça il aurait une belle vue sur la chapelle. Ouais. Tu sais où est la chapelle toi? Oui, je sais où aller. Voilà, donc aller au bout là-bas à droite. Ouais. Donc, en fin de compte, là, c'est un lac artificiel. La vallée a été, inondée et ils ont reconstruit à l'identique une chapelle, la chapelle du village. Pierre par pierre, ils l'ont reconstruite. D'accord. Et ils ont fait une petite île.
Ouais, va tout droit, ce sera bon là. Alors, piégé en P puissance. 2300 tours. I instrument moteur dans le vert. A alti. Ah, touche pas les gaz, on remonte vers 5000. G le gyro sans objet. On doit avoir un capot 200 à peu près. 200, c'est à peu près. On va aller à droite, voilà. Là, il y a un avion là-bas. E essence, on vient de décoller, on est donc 3h20 autonomie. R radio, radio nav. Radio, on va mettre la fréquence de gap. Alors 129, 350, t'avais dit la dite. Hein. Ouais. Pas 325 ? 325 quoi. Ben a priori il était pas actif, voilà. Voilà, vous avez bien 2003, hein, voilà. Après avec les vibrations il recule un peu. Là il y a un planeur là-bas, tiens. Où ça ? À droite derrière nous, là, nos frinqueurs. Frinqueurs en ligne de crête. On a débouché là. Mais il est loin, débouche. Ouais, il est loin, il est loin. Ah bon. Au 5h. Il est presque à 6h là, presque. D'accord. Donc il ne le gênera pas. Voilà, là, c'est bon. Mets-toi un petit peu plus, mets-toi sur l'autre rive finalement, t'as raison. Parce qu'on sait, il aurait de meilleures visées là pour la chapelle. Et puis t'as qu'à te laisser remonter tout doucement à 5000 là. À 5000 on peut... À la fois, on était venu avec Fred, on s'était vraiment pas gelé. Tout ça, c'était complètement enneigé là. Là, on avait vraiment eu froid, mais froid, hein. Le froid que vous n'avez jamais connu. Hein. Bon, tu vois, on est sur la petite île qui est là-bas, là. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est la chapelle, là-bas. Bon, je crois que je la reprenne dans 20 secondes, quand elle sera plus proche. Ouais, puis elle sera mieux éclairée, après. Là pour le moment elle va rester à contre-jour. Ah, vous voulez qu'on aille voir si ça a fondu à Barcelonnette, si on peut poser. Du coup là on a vraiment perdu 200 tours. Ouais. Alors que tout à l'heure on n'avait rien perdu. Tu l'as entendu le bruit. Ouais. Ça a vraiment... La glace qui a fondu là. Et après on a pris 200 tours. Bon, un avion. Ah, pas gaffe. Hein. On va virer un peu à droite. Non, quoi que non, on voit quasiment pas la chapelle. Là. C'est bon, je la vois bien là. Ah, il a vachement monté le lac, hein. Quand je suis venu, là, t'avais envoyé la... Baisse un peu l'aile, par contre, je la vois... Voilà. Parce qu'elle est. Et en face de nous, le dévolu. Ouais. Allez hop, pour reprendre la route. On passe par là ? Oh là, de toute façon, on passe par là maintenant que t'es là, ouais. Ouais ? Mais la maison, elle est là-bas, hein. Ah oui. Le cap, il est là-bas, bon, on rentre par là, on va perdre du temps pour rien. Voilà, tout droit.
droite avant alors. Comment? Le dévolu à droite avant. Là-bas c'est le dévolu, ouais. Et là c'est la route Napoléon là, avec le col Bayard là-bas un peu plus loin. D'accord. Et le dévolu, la route Napoléon et les écrins. Ok. Là tu continues la route à droite, là-bas t'arrives à Grenoble. D'accord. En passant par la Mure. La nuit aéronautique est à 17h40. On est tranquille, hein, voilà. Mais là, t'as qu'à aller tout droit. Ouais. Et encore que je sais pas s'il y a du planeur à la mode du Caire. Parce que si on va dans la petite vallée qui est tout droit, on va passer au-dessus d'un terrain... Où il y a les treuils, là. Où ils font aux treuils, ouais. Ouais. Barrage à gauche, Pascal. Ouais, le barrage de Sisteron à gauche. Le barrage de Sarponçon. Le plus grand barrage d'Europe. Il a même été le plus grand barrage du monde à une époque, hein, je crois. Parce qu'il y a une GoPro qui est tombée et je sais pas où elle est tombée. Hein? Eh ben sûr. Vas-y, un clip qui peut se le voir là, voilà. Là, ça y est, je l'ai trouvé. C'est ce que je craignais avec ce système là. J'ai du mal à chasser la bille là. Ah parce que t'es un bon rien. J'appuie trop quoi. Lâche tout, enlève le complètement tes pieds, tu verras où il va. Normalement si tu mets rien du tout, il doit quasiment rien, il doit quasiment être bon. Et éventuellement t'as même un petit chouïa à droite. Voilà, c'est bon. Voilà. QNH 1010, unité 0, unité 0. De l'activité parachute agent qu'on se connaît pour 100% sur les prolongs. La piste à la route est tranquille. Pour les gars, pour prendre les contacts. La décimale 10, vous avez reçu la promotion, bravo. Maintenant, vous êtes capital. 119-10, ça veut dire. Ouais. Bah, tu leur diras qu'on a pris l'information de Saint-Crépin à Carpentras. Et on longera on évitera la verticale en longeant le relief. On transite à l'est quoi. Oui voilà. Enfin on va transiter au sud. Vas-y mets-toi vraiment contre le relief là, voilà. Gap de Fox Roméo Juliette, bonjour. Fox Roméo Juliette, bonjour. Bonjour monsieur Fox, Papa Lima Roméo Juliette. On a eu 3 personnes à bord provenant de Saint-Crépin à destination d'Avignon. On transite vos zones à l'est en évitant le circuit. C'est bien pris, Fox Roméo Juliette. Un QNH local à 1010 et des parachutages vertical. 1010, c'est bien pris pour le parachutage en pleine sortie de zone. Fox Roméo Juliette. C'est bien pris. On longe le relief au sud là, voilà. On y est à l'est là. Là on sera au sud du terrain, voilà. La piste elle est est-ouest.
bon, là, il sait qu'on est par là, c'est... Voilà le pic de Bure là-bas avec son nuage au-dessus. Ah ouais. Côté Alpha, on est 10 à bord, on est prêt à saigner 20 principal pour 850. Côté Alpha, le décollage 20 principal à convenance du sud de 2. Aligné décolle, côté Alpha. T'as bien mis la batterie en marche pour ton téléphone, Pascal? Pardon? T'as bien mis la batterie en marche? Oui, c'est bon, je suis en train de charger, merci. Ah merde, tu pourrais me passer quand t'auras deux secondes la petite sacoche grise? S'il te plaît. Merci, monsieur. Le box de passage du grand box de calendrier en VGG, merci. Au revoir, on est au Québec. Au revoir. C'est vous, hein? On voit le terrain de gap là, ouais. Ouais. On va rester bien au sud. Oh, c'est bon, là, voilà. Le tout, ça y est, visuel, ouais. En étape de base, main gauche, piste 20. Étape de base, main gauche pour la 20, pas de l'image. L'éco-unité, c'est juste pour l'aile. Tout gelé. Il y a de la chantilly, quoi. Il y a une espèce de tache blanche qu'on aperçoit là-bas. Talima est en base pour la... Et la surface de Clamansan. Ce sera une finale 20 principal à convenance, le vent du sud, 2-2. C'est quoi Talima, je suis présent, 20 principal pour rattraper. Voilà, là on voit bien le pic. Le pic de Bure, il est complètement plat en haut, là. Ah oui, oui. Ça fait vraiment, voilà. Et là, on va rester face au soleil, toujours pareil. Mike Kilo, on rappelle l'écolité. Mike Kilo, rappelle l'écolité. Le largueur. Ouais. Ouais, c'est bon, ça y est, passé au-dessus de nous. Pascal, prends l'eau. Il arrive à 2 minutes, Kioshan. Largueur dans mon ouvert. Parachutage dans 2 minutes. Ah ouais. Ah, au pull. Oh, mais laisse tomber. Ah, j'ai mis un poil de puissance parce que... Voilà. Ah, ça fait du bien, le soleil caché, là. Ouais. Ah, j'ai une casquette là-bas derrière si tu veux, là, pour avoir une visière. Ah, ça va aller. Ah, ben les lunettes, c'est bon. Ah, on évite les nuages, peut-être un peu, quand même. Ouais, il y a plus de rien, non.
Lima, la piste est dégagée, je rentre à l'aéropole. Vous êtes bien pris, Papa Lima. Allez, Fox, Romeo et Juliette, on arrive sur Sierra, très piqué. Oui, Fox, Romeo et Juliette, on va arriver en vol. Merci, bonne soirée. Merci. Pascal, comme tu auras deux secondes, il doit y avoir ma casquette que j'ai jetée délicatement derrière là. Ah, je l'ai vu tout à l'heure. Ouais. Ouais, si tu la vois, là, je dis pas non. Bien, ta faute, je viens de voir Bonjour, au revoir. Merci. Au revoir, bonjour, bonjour. Alors, nous, de retour de local au point Sierra, je me rapporte le point Sierra qui était à 4200 mètres. Ouais, non, bonjour, on appelle sur unité. Ok. Là on va partir là-bas à droite. On va quand même aller voir la voiture si on peut poser. Ok, j'ai vu au moins un truc. Ouais, tout droit là voilà. Et en plus on n'aura pas le soleil dans la tronche. Comme ça on l'aura jamais dans la tronche le soleil. Ouais. Montagne au fond là-bas qui est très pointue, ça fait une pyramide. Ah, ici. Ben, c'est le... Avec un relief blanc à sa gauche là. Ouais. Ouais, ben c'est un contrefort du dévolu. Je me demande si c'est pas l'eau bouche qu'on voit de là justement, c'est le point haut du dévolu. D'accord. Voilà, tout droit là. Pas à la mode, c'est de conneries. Ouais. Non, non. Parce que si nous arrivait de merde, il y a la nuit qui est juste derrière. Non, non, c'est pas une idée. La nuit là-haut, à mon avis, ça va être, non, il y a mieux. Un truc de bien là, c'est que les GoPro elles auront pas trop chaud. Ah non là. Et j'ai déjà vu s'arrêter parce qu'elles avaient trop chaud. Hein. Bon mais l'inconvénient c'est que ça tire sur la batterie.
Ah ouais, c'est chouette là, regarde. Vue bien à droite, là, sur toute une vallée. Il est juste dessous par là. Celui où on s'était pas posé autrefois aussi, il y avait trop de vent. Alors Aiguillon est là. Oui, la piste elle est là, oui, voilà. Mais elle est très courte aussi, elle est plate. Ouais. Là voilà, sans train, sans rien, là, je peux pas jouer au con. À la tombée de la nuit. Là. Un petit barrage à droite là. Oui. Ah, c'est une retenue en fait. Il y a une piste. Ah non, tu la verras jamais. Alors ce que tu peux faire, qui sera joli, qui va pas nous rallonger, c'est partir droit dans les nuages là-bas. Et ouais. Après on va loger les crêtes de la... Même là-bas, on va loger les crêtes de la montagne de Lure. Hein? En plus la caméra sera du bon côté. Ça c'est très très beau. Ah mais comme ça j'aurai une belle vue sur, sur les nuages. Ah parce que tout à l'heure j'avais des vis qui me faisaient chier. Ah c'est super. Ça c'est chouette. On va passer par Manon. Là, on pourra pas poser non plus mais ce sera joli. Ouais. Voilà on va aller vers les nuages là-bas et après on suivra les crêtes là. C'est très très joli. Gorge de la Méouge. D'accord.
vient de passer, la montagne de Chabre. Alors là, c'est pareil. Là, au printemps, il était pas terrible de passer. La terre est remplie de parapentes et de deltaplanes. Ah ouais. Quand même. Ah là, il y a des prises de vue magnifiques, hein. Là, là, ça va être joli, là. Dès qu'il y aura le... Tous ces nuages là, c'est superbe. Allez, continue bien par là, voilà. On passe dans le col, à droite, 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 à droite. Oui, voilà. Ah, c'est joli là, avec les lumières là. Oh là là. Ouais, prends le col, allez. Allez. Alors on va faire le col en technique montagne. C'est-à-dire que je vais aller là pour pouvoir la prendre bien en biais, ok? Pas tout droit. Pas tout droit. Voilà, la main sur les gaz. On met pas de moteur, là pour le moment c'est pas nécessaire. Voilà. Mais là t'auras des belles images à faire sur ta droite, Pascal. Bon, je suis en train de regarder là, ouais. Je pense qu'il n'y a pas des gens en haut. Donc la sortie serait un peu tard là. Alors, au contraire, il ne faut pas aller trop de puissance pour qu'on ait le temps de faire demi-tour. Mais bon là, si jamais il y avait le moindre souci, c'est le manche en avant, on tourne. On descend. Ah, ça va être beau là, à mon avis, en passant là. Sur le côté droit. Ah, t'as vu, ils ont mis de la bombe de Noël là. Ah ouais, c'est magnifique. Voilà, donc là, ça passe. Allez, on y va. Voilà la montagne de Lure qui est en face là-bas. On va continuer là, tout droit, là, voilà. Là, on arrive dans la vallée du Japon. Elle sera à gauche aussi, c'est joli là. Là c'est joli partout, quoi. Ah ouais, c'est joli. Là, ça le fait, hein. Où que tu regardes, c'est beau, là. Essaye de monter un petit chouïa, hein. Mais pas de gaz, mais pas de gaz, monte à 5000, monte à 5000. Ok.
tu peux commencer à aller par la fenêtre là, voilà. Ah, j'y ai pas pensé. Au moins, on sera plus tranquille que d'aller faire les cons à la botte là. Bien sûr. En plus, j'avais un copain à la botte, là, il est mort, c'était beaucoup. Donc il faut pas nous héberger. Ah, entre la piste qui doit être un peu glacée, le frein... Glacée, pas... non, elle doit être au contraire, détrempée. Ah ouais, tu crois? Eh oui, parce que la neige fond, là. Ah, il fait 2 degrés, là. Il fait 2 degrés à 5000 pieds. Enfin, là, on vient de... 1,9. Ah, viens, je mets le chauffage, j'ai oublié de le mettre. Voilà, maintenant, après, on va aller longer les crêtes, là, c'est super beau. Et pour le moment, tu restes comme ça, voilà. Alors là, ça va se passer à gauche, hein, Pascal, maintenant. D'accord, à gauche. Ben, dès qu'on y sera, voilà. Montpellier, voilà. Voilà, on peut y aller maintenant, tranquillou. On reste à droite, hein. Oh oui, on va rester sur ce côté-là. Mais ça va être très joli, là, pour faire des prises de vue, là. Avec les sapins gelés, là. En plus, il n'y a pas du tout de vent, donc... ça, je les ai fait un paquet de fois en rando, là, tout ça, ces coins, là. On venait prospecter par là aussi, en spéléo. Ah ouais. Bah, il y a un gouffre un peu pas très loin, là, à la bête du Carlet. Ah voilà, il y a des falaises abruptes, là. Et tout en haut, là, il y a un chemin de randonnée qui suit toutes les crêtes, là. Et après, t'as plusieurs, comment ça s'appelle, une bergerie, en contrebas. Chemin de randonnée là, il est carrossable en bagnole, on voit une petite tombe dans, dans la neige là, ouais, ouais. À gauche des sapins là. Exact. On posera pas, il y a trop de neige.
d'autres à gauche là-bas. Apparemment j'ai le GPS, je suis con. Hein. Bon fil, dorénavant c'est comme ça que je vais vous voler. On prend 500 pieds comme référence, c'est réglementaire, mais ça sera le maximum. Ah, la petite surface, elle est à droite. Ok. En fait, on est à 500 pieds du creux de la vallée. Bah, je vois même pas avec la... Attends. Allez à gauche. Hop là. Et maintenant elle est derrière. Ah la piste. Ouais. Je vois la manche arrière là-bas. Tu la vois la manche arrière? Ouais. Elle est sur le plateau là-bas. Ouais, ok. Et la ferme à gauche, c'est la ferme du propriétaire. D'accord. Il est pharmacien à Bannon lui. Ah ouais. Et en haut, alors on peut se poser dans ce sens là. Et dans ce sens-là. D'accord. Ah bah non, reviens Juliette, on va faire un passage basse hauteur dans l'axe. Tu vois la piste à gauche? Ouais, je vois à gauche, ouais. Il y a deux manches arrière d'ailleurs. Ah, il y a deux pistes. Il y en a une là, et il y en a une perpendiculaire. Ouais. Et là, le hangar, il a son ULM dedans. D'accord. La deuxième piste, elle est là. Ah ouais. Yo. Il faut du quoi là-dessous? Enfin, je sais pas ce que c'est là. Non, c'est du buggy. Et alors là, on va aller un peu plus loin. Il y a les ruines de l'ancien bureau de la peste. Ah ouais. Vas-y, reprends les commandes, il va tout droit. On va aller à peu près à hauteur des crêtes là-bas. Voilà, on peut se rendre à 2003. Voilà. Voilà, c'est la route qui va de, bah, de Carpentras à Sceaux à Bannon. Bah, de Sceaux à Bannon, hein, voilà. Vas-y, descend, on se mettra à hauteur des crêtes, on le verra mieux. Et là, il y a le gouffre du Canadair, un peu plus loin, c'est le... Il fait moins 700 de profondeur. Ah ouais. Avec un premier puits de 95 mètres, plein vide. C'est magnifique, oui. Patrice, il y a une proposition à te faire. Philippe m'a initié, on va dire, au vol quelque part. On va l'initier à la spéléo. Bon, 95 mètres, Phil, tu verras. C'est rien du tout, 300 pieds. Ouais. Hein, 300 pieds, qu'est-ce que c'est? En avion, c'est rien. Ah, c'est magnifique. Là c'est le village de Bannon, les fromages de Bannon là. Ah, je connais pas ça, tiens. Ah, c'est réputé pour son fromage, hein, voilà. Ah là, je visualise pas, là. Et là... Ah bah tiens, on va jusqu'à Simian, là. Là, on va voir les ruines de l'ancien mur de la peste. Là, je sais plus comment il s'appelle là. Alors il y a Opède le Vieux, voilà. Là t'as des jolies ruines là. Ah ouais, ouais. Joli, ouais. Ah, je peux faire un 360 si tu veux. Hein. Voilà, on va faire. Il y aura le soleil. Ouais, très joli là. Le truc que vous voyez jamais en PPL ça. Bah ne monte pas, reste en palier. Avec le moulin en bas. C'est le village de Montsalier le Vieux, voilà.
allez continuer tout droit. Et tout ça, là, c'était le mur de la perte dessous. Il y avait des canadaires, il est en face, là, par là, je sais pas où il est, là. Là, je suis un peu perdu, là. Là, il y a le Mour Nègre en face, là. Hein? Le Libéron. Ouais, c'est ça, ouais, mais nous, on va... Bon, on va aller jusqu'à Simiane. C'est pas loin, Simiane, normalement. Tu vas aller juste devant, là, il est à 2 minutes. C'est joli, hein, le village, là. Ah, ouais. C'est chouette, hein. C'est Montsalier-le-Vieux, c'est un village vraiment très, très ancien, là, ouais. Et on voit Saint-Christol, là-bas, au fond, là-bas. Et là, on va arriver à... Comment ça s'appelle? À Simiane à la rotonde, là, voilà, voilà. Et du coup, on sera obligé de se refaire les gorges de Hanesque. Attends, ah voilà, Simiane, il est là. Bon, on va ouvrir un tout petit peu à gauche, voilà. Comme ça, il aura une belle vue pour aller pour tout, lui. Alors, ce sera, c'est pareil, ce sera joli quand on sera de l'autre côté, là. Là, on va être à contre-jour pour un moment. En face, c'est Saint-Martin de Castillon. Ouais, c'est ça, ouais. On s'est jamais posé, là, je crois, si. Non, moi, je me suis pas posé, non. Hop, t'es un peu à droite, là-bas, ouais. À droite, voilà. Et Vidon qui est à gauche, là, voilà. Ouais. Voilà, là, on arrive à Simiane-la-Rotonde, un très joli village, aussi. Ouais, j'aurais pu faire guide touristique, aussi. Petit virage léger à droite. Ah oui, dis donc. Et là, bah par là. Attends, on réinclinera après. Et un peu plus loin, là, il y a la veine du Calavon. C'est la belle veine aussi. Incline à droite. Allez, c'est bon. On va longer les crêtes, là, comme ça, on rentre pas dans la zone de Saint-Christol. Attends, je vais mettre la carte aussi. Ouais, c'est bon, t'es pas dedans, là. Bon. Bah, tu vas tout droit, en évitant le relief, quoi. Ça vous plaît? Ah ouais, c'est chouette, toi. C'est superbe. Finalement, une fois, l'enfant, elle me disait que ça ne ferait pas de voler dans l'avion parce qu'on est trop haut par rapport au sol. Elle me disait, on ne pourrait pas rester à 10 mètres ou 15 mètres. Et j'ai dit, ça va pas, non, t'es pas un peu folle, toi. Finalement, elle avait pas tort. Bon, 15 mètres, ça peut être un peu mal, mais 40 mètres, ça me paraît bien. Peut-être que j'arriverai à la convaincre de monter dedans si je lui disais qu'on reste à 50 mètres du sol. Tu vois les grosses paraboles là-bas, ouais. Les oreilles. Hein. C'est le centre d'écoute de Saint-Christol. C'est la DGSE là-bas, ah. D'accord. On a envoyé une grosse parabole éclairée par le soleil. Tu l'as dans les 1 heure. Tu vas voir, on va y passer à côté, de toute façon. Après, à côté. Et là, je vois un truc là, mais je ne sais pas si c'est ça. C'est la base militaire de Saint-Christol. C'est la Légion étrangère. D'accord. Et t'as le centre d'écoute de la DGSE. Ouais, c'est ça que je vois, ouais. Elle est ensoleillée, là. Elle est sous le soleil. Et alors là, il y avait mon navel préféré, la Vélotran. Moi, 640, là. Et assez difficile, là. Mais un navel magnifique.
Et la piste, elle est condamnée maintenant, elle est affectée. Ah oui, je la vois à droite là. Il y avait une piste avant là. Bah sur le GPS, ça doit y être encore, mais... Alors, si est posé en warboard, Phil. Voilà, tu vois la piste, elle est là, à droite là. Ouais. Il y a deux grandes croix blanches. Ouais, c'est ça. Ça. Ah, tu veux les croix blanches, toi? Oui, je suis au bout actuellement. À 20 000 pieds à l'ouest de vos installations, à 3 minutes de la base. Ouais, là, les croix blanches, c'est facile de voir avec la neige. Ouais, hein. Je suis pas sûr que ce soit un argument qui serait retenu, mais on peut l'essayer. Nous, on n'a vu aucune croix blanche, hein, on s'est posé. On n'a pas vu le rond rouge non plus. Ah ouais, la même autre rang, il est... Alors, attends. Je suis perdu, là. Ok, la route qui monte. Et un peu plus loin, à droite. C'était mon avenne préférée. Moins 640, la veine du ballon du soupir. Voilà, le rond-point, à la baignette. Tiens, je vois s'il y a des gens ici, du haut qui sont dedans. Donc là, c'est la Légion étrangère que tu vois. D'accord. Ok, le ballon il est là. Non, avec la neige, il n'y a personne que deux yolines. Allez, on continue par là. Par la maison. Il n'y a pas de trace, il n'y a personne. Et après, il y a la veine de Jean Nouveau. Bon, alors lui, le puits d'entrée fait 167 mètres. Eh ben, dis donc. Les anciens, à l'époque où ils descendaient aux échelles, ils avaient installé un treuil pour descendre. Putain. Bon, maintenant tu descends au Jumard, hein. Et là, il y a la ville de Sceaux là-bas. Ouais, Sceaux, ouais. Et nous, dès qu'on a passé le relief, on descend pour se faire la Nesque. Et pas qu'il y avait autant de troupes par ici aussi, hein. Ah ben, le plateau d'Albion, je te dis, c'est réputé, ouais, internationalement, hein. C'est vraiment un haut lieu de la spéléo, c'est vraiment très très réputé, ouais. D'accord. On voit les dentelles déjà. Ouais. Et faudra qu'on... Ah bah tiens, on ira y montrer alors. Parce que là, il faut que... Ma femme m'a dit de passer au-dessus de la maison. Je suis obligé de passer à la maison. Ben, c'est Yann qui m'a demandé. Combien ça fait? Ça fait une heure de vol. Une heure de vol, on va mettre sur l'arrière. La maison qui est à droite là? Non, j'habite un peu plus loin. Moi j'habite à 10 minutes là. D'accord. On va se faire les gorges à la Nesque, hein, ce sera... Ce sera sûrement un peu moins joli que ce matin parce qu'il y aura le soleil de face. Mais ça reste toujours joli quand c'est les gorges de la Nesque. Voilà, tu peux commencer à descendre là. Ah oui, d'accord, je me repère un peu. Voir à peu près où on est. On arrive aux gorges de la Nesque qu'on a vu ce matin. Ouais, ça y est, je repère à peu près, ouais. Oui, il y a un joli village là-bas, dis donc. Où ça? Derrière à droite. À moitié qui est là. Ah, on s'en fout, on va tout droit à droite. C'est un village, ça c'est pas sûr. Ah, c'est le village de Monieux là. D'accord. Et il descend, descend. Carpentras de Fox Golf, Oscar Uniforme, le décollage de Carpentras pour un... Vol local, secteur nord. Bon, déjà, ça vaut le Carpentras.
devant à droite. Ok, reçu. On va pas aller trop vite. Ok, reconnu. Y a de la grappe à faire ici? Bah, y en a qui le font, le rocher du cire, moi j'ai jamais fait. Il y a un tel du ventoux qui dépasse juste des nuages. Ouais, ouais.
c'est le château du Barou là-bas. Ouais. Oh, mais je sais pas où il faut là. Attends. Oui. Et on va passer un joli petit village magnifique juste après là qui s'appelle. J'ai oublié le nom. La Rocalric. C'est joli avec la lumière là en plus. Ah ouais, ouais. Là, il y a le monastère des moines. Ah ouais. Là, tu vas avoir soit à droite, Pascal, je vais te le mettre là, le village de la Rocalric. D'accord. Alors, il est un petit peu plus loin encore, là, il n'y est pas encore. Il y a un bon pas qui va dire un petit rôle, je prends des. Vous voyez une route par terre dessous là ou pas? Voilà, juste là. Ok, mais il faut la suivre. Elle doit aller à droite, normalement, si je me gourre pas. Ouais. La route, elle est là, devant. Ah, ok, voilà. Ben, le village, il est là où il y a la fumée, là où il y a les nuages. Visuel. Alors ça va aller vite là, parce qu'on est quand même un peu rapide par rapport à nos voitures. Voilà, hop, je te le mets du bon côté. On okay, va avec les nuages, c'était joli avec le feu là. Regarde, là, sur son piton là. Ah, ah oui. Ah, je suis un peu trop près là. Tu veux que je fasse un 360 ou c'est pas la peine? Si tu veux. Ah si, ça vaut la peine, ouais. Ah, le Vantouk, il y a de belles couleurs là-bas. Ah ouais. Ah, je vais aller un petit peu plus haut, comme ça je pourrais passer un petit peu plus loin. D'accord. C'est des grandes falaises, des dentelles. On va y le faire ensemble. Et là, c'est des voies, il y a pas mal d'escalades. Là, t'as du. Ah, c'est du 6A, 6B, 6D. Le rocher Saint-Christophe, j'ai beaucoup grimpé là aussi. Là. Ouais. Pareil, c'est du 6B, 6D. D'accord. Alors, t'as quelques voies en 7. Ah, bah. Et là, on va voir un tout petit peu plus loin, il y a une tour génoise là. Ouais. Ah mais c'est les falaises de... Kilo Charlie, je... C'est une appel de Montmirail. C'est une appel de Montmirail, non d'une pipe. Et j'y venu quand j'étais jeune, on a fait de la grimpe une fois. Ouais, voilà. Alors là, t'as deux relais pour aller en haut, là. C'est des voies qui font 80, 100 mètres. Ouais. Là, t'as, tiens, il y a la tour génoise. Elle va être sur ta droite, la tour un petit peu plus loin. Là où j'ai fait un peu autre voie, je pense. Hein. Là, je crois qu'il y en a qui font 120 mètres. Là. Ouais. Là, c'est une tour génoise là, à droite, enfin une tour, une ruine. Ouais. Une ruine de tour génoise. Et on va repasser dans l'autre sens, mais par le col du Quéron. D'accord. Le col du Quéron, c'est là qu'il y a le rocher école. Ok. Et là, il y a encore, un peu plus loin, il y a un belvédère encore. Ah, c'est joli, il y a une belle lumière là quand même. Hein.
Ah ouais. Ah ben là oui, c'est nickel là. En plus c'est la bonne heure là. Ouais. Ouais, Belvedere, il n'y a personne. Ah si, il y a quelqu'un. Là, il y a Orange, plein de dieux, juste à gauche, là. Et là, on arrive à Gigondas, là, il y a des bombes, hein. Eh oui. Vas-y, prends les commandes, voilà. Voilà, il y a le Belvedere, il y a des gens là-bas. On va dire bonjour aux gens. Ah ouais. Voilà la chaîne du Turc. Et nous après le Belvedere on prend à droite là ça. On arrive au col du Quéron. Le col du Quéron est sur la gauche. Alors là, c'est des voies que j'aime bien. Et là, c'est pareil, il y a deux relais pour aller en haut. Ils sont grandes, là, quand même, l'air de rien. Et là, il y a le rocher École qui doit être dans l'ombre. Il y a peut-être des gens qui s'entraînent, mais là, il doit faire froid, là. Là, ça c'est les rochers écoles, là, voilà. D'accord. Ah si, il y a pas... Y a... Non, il n'y a personne. Ah, j'ai été biscotché quelques heures sur le rocher école. Comment? On y a passé quelques heures sur le rocher école. Et là, entre le rocher, la secteur et en face, on avait installé une grande tyrolienne, là. Ah oui. On s'était fait chier pour la mettre, hein. Ah ben, j'imagine. Ah c'était quoi magique là. C'est clair. Avec carte de tracé là-bas. Non, hop. Non, on va dire qu'on arrive de Saint-Crépin, on arrive par l'opposé. Mais il est joli là, ce village de la route. Ah ouais, ouais. Sincèrement, ouais. Allez, on va repasser sur l'avant. Ok, bien riche. Ouais, ben je descends pas plus. Et le tour de piste, il est à 1400 pieds. Serpentin, et mon décollage français. Droite. C'est beau hein. C'est beau, c'est sacrément beau. Carpentras de Fox Papa Lima Romeo Juliette, bonjour, le DAU de retour de Saint-Crépin. On est à 3 minutes des installations, 2000 pieds dans l'est. Salut Papa. Salut Jean-Michel. Rappel. C'est qui? Salut Lupin. Sur décollage. Ta position? À peu près. Il y a combien le tour de piste là? 1004. Ah ouais, je remonte. L'altitude, pas cool. Je suis à 1800 pieds. Là, on est dans le nord-est. On passe vers Bédouin. Ah ouais, si, je vais faire un compte. Mais là, on descend vite et on va arriver sur Caron. Okay. J'ai pas compris qui c'était. Quel prénom il a dit? Je maintiens... Ah bah pour faire de la patrouille, pour faire des photos aussi. Ah 1800 il a dit alors. J'ai pas compris qui c'était le mec. Ouais. 1800 pieds, là j'arrive sur Caron, direction Bazan. Maintenez l'espace ou j'ai atteint le champ?
C'était vers où? C'était travers ouest de Mazan à 1500. Ok, ben je viens vers là. Et je reste à 1008 pour le moment. Alors il est devant nous, un peu plus bas, 300 pieds plus bas. Ah oui, j'ai visuel, ça n'est pas rallumé. Ah, ferme, j'ai visuel quand même. Ok, visuel. Je le vois, ouais. C'est bon, trop tôt? Ah, si tu veux, oui, c'est pas un peu. Alors reste au piège, reste 4 sur ma jambe. Ça marche. Oh la vache! Oh la! Vas-y un peu, hein, je vais pas te ramarrer. Est-ce que tu vires, je peux pas te ramarrer. Génial! Je sais pas ce que j'ai attrapé, mais c'était génial. Derrière toi, elle est là-bas. Ouais, je vois. Ah oui, ça y est, visuel. Hein. On est dans des 6 heures. Allez, pas. Combat rapproché. Voilà, on est dans des 3 heures. Ouais, j'ai la gueule. Hein. Ouais, je mets le cap vers les installations. Oui, les deux. Vous faites pas ça, Logne? Non, on fait pas comme les deux. Ah, 150. Ça, je disais à Logne, tu le fais pas ça? Non, bah non, hein. Et bah Logne. Tu restes au cap? Ouais, je reste au cap et l'altitude. Ah mais il est juste derrière. Merde. Ouais, fais la photo là, fais la photo. Il y a un problème avec le mien. Alors là, c'est fabuleux là. Allez, je vais triquer à gauche. Vas-y. Voilà, lui il sait faire. Oh la vache. Aïe 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 aïe. Là je t'ai prévenu, hein. Si on lui dit tu feras un vol, t'en as jamais fait des comme ça, quoi. Ah, je savais pas ouais, ce qu'on allait faire, hein. Regarde, pas prendre un rendez au Juliette, on arrive vertical, de le pied. Alors, on est plus riche. Non, juste. Bah, souvent, j'ai une série de 5 cyclistes avec l'avion, là. Plus le caméscope. D'une pipe. Et ça c'est l'escadrille en live là. Et on y va le plus exactement. Oh c'est fabuleux de voir un avion à côté de soi. Ouais. Impressionnant quoi. Il était pas loin en plus, hein. Et c'était près. Ah oui, il était quoi, à 5 mètres là, 10 mètres peut-être. Oh même pas, tu rigoles, ouais. Carmontrain, Romeo Juliette, on est vertical de l'installation 2000 pieds en 60 ans, en face arrière, 38 pour un complet. Ah bon? Hein? La main, je suis presque dans l'axe, hein? Ouais, y'a rien. Hein. Et une piste ici? Ah oui, c'est la piste de Carpentras! Ah ouais? Bon, si tu le dis. Allez, derrière nous, là, maintenant, là, regarde, sur ta gauche. Allez, remets juste en mode derrière, pour un complet.
final 30 électorales seulement Ça vous a plu alors? Ah, ben la gueule! C'est chiant, ouais! T'as régalé là, hein, dis donc! Bon, Phil, tu fais quoi le week-end prochain? Patrice! Ah ouais, tu lui avais dit que ce serait un vol hors norme! Ah, je l'avais dit, hein! Toujours quelque chose! Car faudra Romeo Juliette, la piste dégagée. La vitesse où il nous a intercepté, ça a été incroyable, hein, le virage! Se foutre derrière nous, waouh! Wow. Peut-être qu'il avait le moteur le plus puissant quand même que nous. Non, pareil, c'est le chevaux. Non, même pas, c'est 160 chevaux lui. Ben, 1h35, le retour, enfin. Ben, c'est cool. En tout cas, ça va faire du dommage, de se vous dire. Oh la vache, ouais. Hein, bon, on n'aura pas fait de la petite surface, mais bon, j'aurais essayé de. Ben, on a compensé par. Carpentras de Fox-Star Uniforme de retour dans votre local à 2 minutes de vos installations par un secteur nord-est à l'entour de Glovac pour une intégration 2000 pieds gainage en descente vers 1900 pieds gainage. Le petit tournoi, le petit combat tournoyant. Ah ouais, dis donc, c'est impressionnant, ouais, c'est fabuleux. J'en connais un qui va être dégoûté en plus aussi. Ah, il n'y en a pas qu'un, bien sûr, mais. C'est un petit dogfight là pour. Ouais. Bon, ben, la prochaine fois, tu nous feras venir avec lui pour initiation dogfight. Mais là, t'avais une caméra sur la droite aussi? Ouais, j'ai des caméras à droite, à gauche, au centre. Ah putain, je peux pas. Ouais, s'il fallait tourner quand même. Carpentras, Romeo Juliette au parking, on quitte la fréquence. Là tu vas là-bas. Hop là, je le prends là. Hop là, j'ai pas encore la vision thermique à travers les travaux. Bon, juste par sécurité. Fantastique. 1h35. Ah pardon. Non, c'est bien, vas-y, continue. C'est j'adore cette séquence. C'est excellent. Bon, ça a fini en beauté là. Ah ouais, comme quoi, tu vois. Hein. Ah merde. Ça a fini en beauté là. Ah, c'était imprévu là en plus. Ah ouais. Excellent. Et le petit dogfight de la fin là. En plus, ça avait des caméras à voir. Ça va vraiment là. Bon retour quoi.
Enfin, je l'ai quand même suivi, hein, j'ai réussi à le... Ouais. Aïe, ça y est, c'est fait. Ah. Tu vois les photos, t'as réussi en bas, Philippe? Ah oui, de toi, oui. J'ai bombardé, après, je sais pas si ça va donner.